Bon appétit à moi. Oh, je me sens pas très bien. Je reviens dans une minute. Où on en était? Hey, bouge pas, toi! Oh, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Wow, c'est trop marrant! Je suis enceinte! Oh, félicitations! Pourquoi on fêterait pas ça en me laissant partir? Dans tes rêves! Ah, un vampire peut jamais manger en paix ou quoi? Hey, bestie! J'ai une super nouvelle à t'annoncer! J'ai une bonne nouvelle pour toi aussi! Wouhou, on va devenir maman! C'est notre première échographie. Très bien, mesdames. Qui veut commencer? Je vais laisser Marie y aller. Merci! Aujourd'hui, on va découvrir le genre de ton bébé. Regarde, c'est une fille! Coucou, ma chérie! Bonjour, maman! À très bientôt! Allez, allez, à mon tour maintenant! Hein? Il y a beaucoup d'interférences. T'en es vraiment sûre? Heureusement, le docteur Chose est là aujourd'hui. On dirait bien que ce bébé chauve-souris est en parfaite santé. Il va donc falloir organiser une gender reveal party. Toutes les copines vampires de Mia sont là. Ainsi que le groupe de soutien de Marie. Vous êtes prêtes pour la grande révélation? C'est une fille! Hurrah! Et moi, un garçon? Ah, des chauves-souris! Wow! Bon bah, au moins, on n'est pas déçus. Oh là là, mais j'arrive pas à croire comme t'es bordélique. Ok, ok, je vais nettoyer. Ouf, c'est plus dur que ça en a l'air, hein? Je vais appeler une femme de ménage. Allô? Oui, dépêchez-vous. Waouh, c'était du rapide! Bonjour, je suis Megan. Bon bah, dépêche-toi de nous aider à ramasser les déchets. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aime pas la tournure que les choses prennent, là. Oh oh! Toile d'araignée éliminée. Ah, c'était juste ça. Mode d'éradication totale activé. Au secours! Insectes éliminés. Ouf! Mode sac poubelle et scotch activé. Ah! Faites en sorte qu'elle nous voit pas. Mission accomplie. Merci pour ton aide. Paiement par carte bancaire uniquement. Oh, je reviens tout de suite. Tiens, et merci encore. Hein. Il n'y a pas de quoi. Regarde, Mia, des cours de yoga pour femmes enceintes. Au 50e étage. On devrait tenter le coup. L'ascenseur est en panne. Bon, bah, on se voit là-haut. C'est vraiment pas juste! Maintenant, respirez profondément. Hé, hey, je suis là! Bonjour! Viens et joins-toi à ma méditation. Pense à quelque chose d'agréable et d'apaisant. Premier étage? Maintenant, concentre-toi sur ta respiration. Deuxième étage? Très bien! Oh, c'est un tapis de course? Je vais le mettre au maximum! La super vitesse d'un vampire, c'est super impressionnant! Qu'est-ce que j'ai soif! On n'y est toujours pas! Bouh! Maintenant, je suis d'humeur à méditer! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le 50e étage! Je suis enfin arrivée! Ah bah te voilà, ma belle! T'as raté tout le cours? Les femmes enceintes peuvent avoir des envies très spéciales. Oh, je supporte plus l'odeur du sang. Hey, si on échangeait? Faut trop que tu goûtes à ça. C'est de l'ail avec du chocolat. Bon, si t'insistes. Waouh! Être enceinte, ça change vraiment le palais. Mais regarde-toi un peu! Ça me ressemble tellement pas. Les enfants sont bientôt prêts à naître. Ce qui veut dire qu'il est temps de leur préparer une salle de jeu. Oui, venez ici tout de suite.
Oh, regardez-moi tous ces trucs. La maman vampire n'a choisi que les jouets les plus lugubres. Et la mortelle n'a pris que les plus mignons. Et bien sûr, faut pas oublier les biberons. Ça va pas le faire. Hey, Frankie! J'ai besoin d'une petite faveur de ta part, ok? Nickel! C'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, qu'est-ce que c'est flippant! Sois pas si rabat-joie! Hihi, mon enfant va adorer. C'est juste que c'est vraiment pas mon style. Faudra aussi surveiller le bébé de près. Hé, arrête de résister! Voilà! Merci beaucoup! Oh, allez, ça va être génial, crois-moi! Tu vas garder un œil sur mon bébé maintenant! Bah, qu'est-ce qui va pas, Mia? J'ai rien à mettre! Oh, je vois! Alors, on n'a qu'à aller faire du shopping! Bienvenue, vous deux! Que puis-je faire pour vous? Ma copine a besoin d'une nouvelle tenue. Très bien, je vais l'aider. On va passer à la cabine d'essayage. Ça marche! Alors, de quoi j'ai l'air? Et maintenant? T'es trop marrante comme ça! Comment tu oses te moquer de moi comme ça? Attends une minute, laisse-moi juste... Ça appartenait à ma grand-mère. C'était une personne hyper stylée. Oh, j'adore ce côté vintage! Je suis pas canon dans cette tenue? Ah ouais, je sais pas. La couleur n'est pas tout à fait parfaite. Si c'est qu'une question de couleur, alors on peut arranger ça. Mia, t'es incroyable! Oh non! Tu recommences avec tes habitudes de vampire! Des photos gratos? On peut pas refuser ça! Faut bien qu'on ait des photos de grossesse! Je suis toujours contente de travailler avec de nouveaux modèles! Assieds-toi, je t'en prie! Maintenant, fais-moi un sourire! Génial! Un peu plus d'émotion, s'il te plaît! J'ai trop hâte de voir ce que ça donne! Oh, mais t'es sérieux, là? Ces clichés sont hideux! Mais on va utiliser la magie de Photoshop! Waouh, joli! Maintenant, à qui le tour? Moi, s'il te plaît! Allez, allez, c'est parti! Malheureusement, les appareils photo et les vampires, ça fait deux. Qu'est-ce qui se passe? Très bien! On peut trouver un arrangement? Je ne partirai pas sans photo! Les vampires adorent prendre des poses spectaculaires! On dirait que le photographe sait exactement quoi faire. Aujourd'hui, ces deux clientes partiront satisfaites. Marie a reçu ses photos et Mia a un tableau. La séance d'aujourd'hui a été juste parfaite. Choisir le prénom de son bébé, c'est une tâche très difficile. Marie va se rabattre sur des méthodes qui ont fait leur preuve. Je vais laisser le destin choisir pour moi. Mia, j'arrive! On va décider au hasard. Ah, vraiment? La planche Ouija va nous donner nos réponses. Oh, mystérieuse planche des esprits! Je t'implore de me révéler le nom de mon enfant. Ce sera Georges! Cool, non? À mon tour maintenant! Et ma fille, ce sera... Nikki! Bravo, bestie! Pousse, Miss Marie, pousse! Et voilà ta fille! Oh, ma douce petite fille! Docteur Dan, t'oublies pas quelqu'un? Oh, mais coucou, mon petit! Regarde-moi ces adorables petits crocs! Aïe! Bienvenue au lycée des vampires! Mais attends, où sont tous les élèves? Ah, voici le premier suceur de sang! Bienvenue à l'école, Maeve! Ah, ouch! Regarde où tu vas, loser! Oh, pas de manière du tout! Eh, attention! Je suis sûre que tu sais qui je suis! Oh, tu vas payer pour ça, crois-moi! Lâche ma jambe! Bonjour, je m'appelle Mia. Eh bien, continue comme ça. Sais-tu au moins à qui tu t'adresses, petite mendiante?
Tiens, attrape. Oups, très bien, suivez-moi, essayez de me suivre. Voici vos cryptes, les filles. Froide, sombre et pleine d'araignées. Maintenant, installez-vous et essayez de ne pas être en retard en classe. Oh, il fait vraiment froid. C'est assez confortable. Je crois que je vais me plaire ici. Oh, ce carton est tellement inconfortable. J'ai pas besoin de voisins ici. Oh. Mais... je me demande comment va Molly. Allons la voir. Ne me déçois pas, mon petit gars. Je crois en toi. C'est parti. Eh bien, cette année va être très, très amusante. Ah, d'où viens-tu? Sors de mon bain. Et ne reviens pas. Oh, y a pas de raison d'être aussi violente, tu sais. Oh, ça fait mal. C'est l'heure de la première leçon pratique des élèves vampires. Waouh, c'est trop mignon. Oh, qui es-tu? Qui es-tu? Oh non, c'est un loup-garou. D'accord, ne faisons rien d'imprudent. Oh ouais, c'est vampire contre loup-garou. Viens, petit chiot. Oh, t'aimerais bien que je fasse ça. Tu ne me tromperas pas aussi facilement. Maintenant, qui veut goûter à mes crocs? Non! Ne me mange pas! Prends ça, méchant! Je suis assez riche pour me défendre. Prends ça! Fin de la ligne, suceur de sang. Tiens, savoure un peu d'ail. Ah, qu'on m'aide! Fais quelque chose, Mia! On est fichu! Dites adieu à votre mort, vous deux! Oh non, j'ai tellement peur! Ah, ça chatouille! Quelle approche inhabituelle. Pas très appropriée, mais certainement efficace. Eh bien, je dirais que vous méritez tout, hein! J'ai tellement faim, je pourrais manger un cheval! Bah, les pattes, c'est l'argent qui compte, petite! Eh, c'est pas juste! Bienvenue à l'école! Ah, peu importe. Je vais me débrouiller toute seule pour trouver de la nourriture. Qu'est-ce qu'on a là? Allons-y, rafraîchissons-nous! Délicieux! Ah, c'est vraiment dégoûtant! D'accord, regardons le menu. Oh, c'est tellement banal! Viens ici, toi, je suis affamée! Tout ce que vous voulez, mademoiselle Molly! J'aimerais quelque chose de spécial! Tout de suite! On a tous les types de cuisine à votre disposition! Oh ouais, ça c'est du bon service! Je crois que j'ai envie de manger japonais! C'était un bon plan, Molly! Merci beaucoup, bestie! Bonne nouvelle, tout le monde! Aujourd'hui, nous avons un examen de terreur! Tout d'abord, voici une démonstration! Ne vous inquiétez pas! Les vampires doivent savoir inspirer la peur et l'horreur! Qu'est-ce qui s'est passé? Voici votre canne, grand-mère! Bye bye maintenant! Très bien, jeune fille, à vous de jouer! Dites bonjour à vos victimes! Oh, c'est vraiment cool, n'est-ce pas, Molly? Je dois obtenir un A! Voici la première victime! Mia leur réserve une surprise terrifiante! Qui est là? Es-tu déjà effrayée? Oh, c'est trop effrayant! Attends un peu! Ne t'inquiète pas, bestie! On va s'occuper de tes boutons tout de suite! C'est bon! Maintenant, tu ne vas plus effrayer les gens à droite et à gauche. Allez, tu peux t'en aller. Pendant ce temps, le numéro de la victime ne se doute de rien. Hé, mon pote! Je suis venue pour toi. T'aimerais bien, ma fille, mais je suis pas du tout dans la même catégorie que toi. Est-ce que tu te brosses les dents? Regarde ces tourtereaux. Ne savent-ils pas qu'ils sont déjà condamnés? Bonjour, les tourtereaux! Ah, j'adore le goût de la peur. Yes! Oh, on dirait que quelqu'un va échouer à ce test après tout. Miss Marie n'aimera pas ça, c'est sûr. Oh, regarde ça, Mia. Y a quelqu'un? Pourriez-vous aider une vieille dame à sortir? Je crois qu'elle a perdu ses lunettes, Molly. Ah, les voilà. Tu devrais toujours aider les personnes âgées dans le besoin. Voilà, grand-mère. Oh, merci beaucoup, chérie. Vous êtes tellement... tellement... Oh non, vous êtes... Oh, j'ai besoin d'appeler à quelqu'un, il y a des vampires ici! Oh, on a réussi à effrayer quelqu'un! Très bien, les filles, aujourd'hui, on joue au baseball. Montrez-moi vos qualités athlétiques de vampire. Maeve, tu t'occuperas de la batte. Mia, tu l'attrapes. Oh ouais, quel coup! T'as vu ça, Mia? Je cours, je cours! Ne t'envole pas si loin! Oh, attends-moi, j'y suis presque! Ah, te voilà! Alors, je suis géniale ou quoi? Oui, bon travail, Mia. Ouh, regardez-moi ces crocs! En effet, l'un pour l'autre. Molly, on est en train d'étudier, là. Allez, viens. Je peux pas faire ça aujourd'hui, Miss Marie. Je porte des talons, la dernière collection Balenciaga. Oh, et si je te montrais ça? Qu'est-ce que vous voulez que je regarde?
Mais non, c'est le vampire de mes rêves. Oh, attends un peu, je veux la voir. J'aimerais beaucoup, Molly. Et toi, c'est mon petit ami, alors ne t'approche pas de lui. Oh, oh, tu es si effrayante, je m'en vais d'ici. Ah, oh, Molly, tu sais, je... Tu me le diras plus tard, Dan. Oh, où suis-je? Salut, mon pote. Moi aussi, je suis coincée ici. Wow. Molly, c'est un A. Eh bien, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Pas mal. Des boissons riches en sang de toutes sortes. Je n'ai pas envie de calories supplémentaires aujourd'hui. Oh, délicieux. Et c'est bon pour mes artères. Bonjour, Mia. Oh, je veux en goûter aussi. Ouh, un vampire à faible revenu comme moi ne peut pas se permettre ça. Mais peu importe, c'est pas si mauvais que ça. Quoi? Eh, c'est injuste! Donne-moi ma boisson, toi! Ah ouais? Attends, je vais te montrer. Oh, ce truc est dur. Je ne laisserai pas une seule égratignure. Il n'y a rien que mes crocs ne puissent faire. Oh, Mia, tu es vraiment incorrigible. Allez, bouge! Oh, oh, je suis sortie. Oh, guess, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon soda? Personne ne t'a appris à partager! Oh, c'est tellement injuste! Très bien, mesdames, aujourd'hui nous abordons un nouveau sujet. Qui veut en parler à la classe? Allez, ne soyez pas timides. Je ne vois pas de main, mesdames. Regardez, voici ma main, Miss Marie. Je dois dire que je commence à être déçue. Oh, très bien, tu as gagné, Mia, vas-y. Ah ouais, j'ai gagné. D'accord, par où commencer? J'ai passé la nuit à la bibliothèque. Et le règne sanglant du comte Dracula a commencé en... On n'en sait jamais trop. Mais parfois, apprendre de nouvelles choses est si épuisant. Et c'est ainsi que 500 ans plus tard, la Transylvanie est devenue l'un des... Eh, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, oui, à plus, merveilleux. Tu as fait un excellent travail. Oh, c'est une vraie intello. Ma présentation est bien plus excitante. Oh, qu'est-ce que tu as là, Molly? C'est lui, Miss Marie. Tremblez! Voici mon oncle, Vlad Dracula. Bonjour, les jeunes. Oh, mes crocs ne sont plus ce qu'ils étaient. Pourquoi m'as-tu réveillée, Molly, ma chère? Je faisais un rêve tellement sanglant. Qu'est-ce que tu es méchante, toi? Je suppose qu'il n'était pas d'humeur à faire ça. Oups. T'as vu ça, Mia? Cette école a besoin d'un grand nettoyage. Oh, vous cherchez un concierge, mademoiselle? Oh, regardez toute cette poussière. Oh, oh, qui est là? Comment faites-vous pour mettre du jus de tomate partout dans les couloirs comme ça? Je me demande ce qu'un humain fait ici. Attendez, le couloir est fermé pour nettoyage. Vous êtes aveugle ou quoi? Oh, vous ne devriez pas me parler comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, où es-tu? C'est bizarre. Eh, arrête! Je viens de nettoyer ces sols. Trouve un autre couloir pour flâner. Oh, ces enfants sont si grossiers. Oh, et maintenant, je suis blessée aussi. Oh. Bonjour, besoin d'aide? Oh! Attends, ne fais pas ça! Oh, j'arrive pas à croire que t'as encore fait ça. C'est le 10e concierge de la semaine. Eh bien, mesdames, commencez à nettoyer. Mais ne touchez pas aux toiles d'araignée. J'aime beaucoup ce qu'elles ont donné cette année. Je vous salue, jeune fille. Ce fut une année très productive. Et aujourd'hui, je suis fière de vous remettre vos diplômes. Mia, tu es la vampire la plus intelligente que notre école ait jamais vue. Et donc, tu as mérité toutes ces récompenses. C'est ton tour maintenant, Molly. Oui, oui, j'arrive. Wow. Oh, Molly, je savais que tu y arriverais à la fin. Je suis très fière de toi, Maeve. Vous allez me manquer, les filles. Maintenant, prenons une photo commémorative. Vous êtes prêtes? Alors faites-nous un sourire. Hé, hey, Mia, t'es vraiment belle aujourd'hui. Merci, Adam. J'ai fait beaucoup d'efforts pour me faire jolie. Mais je crois que t'as oublié de te brosser les dents. Ouh, elles sont juste... Alors là, j'ai pas les mots. Bon, Mia, pas de fleurs pour toi aujourd'hui. Prends plutôt ce jet dentaire. Comment ce truc fonctionne? Je te quitterai jamais, mon précieux. Hé, hey, t'es qui, toi? Quelqu'un qui est venu te chasser d'ici. Ses dents doivent être d'un blanc éclatant. Va-t'en et ne reviens jamais. T'as vraiment sauvé mon sourire. Et si tu me remerciais par un petit baiser? Eh bien, peut-être plus tard? Allez, ma jolie. Désolée, mais je dois vraiment y aller. Mia, reviens! Je suis prête pour mon date. Je suis tellement jolie. Mais... Oh, zut! Je crois que je vais devoir m'occuper de ça d'abord. Aide-moi à m'épiler, mon pote, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi pour toi, Miss. Aucun poil ne pourra m'arrêter. Aucun sacrifice n'est trop grand pour la beauté. Merci, tu m'as sauvé la mise. Ah, mes jambes sont absolument parfaites. Prendre un bain ordinaire, c'est plutôt naze.
Mais avec une bombe de bain, c'est beaucoup plus sympa. Au boulot, ma fille. Ah, la température de l'eau est vraiment bonne. Il faut plus de mousse ici. Beaucoup plus. Alors continue à faire des bulles. Comme tu voudras, maîtresse. Je vais faire de mon mieux. Ah, il n'y a rien de mieux pour terminer la journée qu'un bon bain relaxant. Oh waouh, j'adore cette chanson. Salut Lizzy. Hey, je peux écouter avec toi? Enfin, si tu veux bien me passer un écouteur. Oh, bien sûr, bestie. Tiens. Urk, Lizzy, c'est dégueu. Mais je sais comment t'aider. On est vraiment obligé de faire ça? Ce gadget va te nettoyer les oreilles. Eh oh, y'a quelqu'un? Ouvrez. C'est le service de nettoyage des oreilles. Ah ouais? Dans ce cas, tu l'as cherché. On dirait bien que c'est là. Par où commencer? C'est la cata ici. Va falloir faire un grand ménage de printemps. Tout sera étincelant de propreté en un rien de temps. Voilà, Lizzy. Tu vois, ça a pas fait mal du tout. Hé, hey, mais comment tu me traites, toi? Je suis un pro. Très bien, c'est parfait. Maintenant, j'ai juste à te donner un petit coup de fer à repasser. C'est pas le moment de me laisser tomber, mon pote. Je suis déjà assez en retard. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas d'humeur ou quoi? T'as vu ces plis? Tu devrais avoir honte. Ah, je sais. Tu dois avoir très soif. Tiens, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à faire sortir la vapeur. Ma robe doit être absolument impeccable. Alors, de quoi j'ai l'air? Je sais, je suis parfaite. Top là! Aouh, ça fait mal! Lizzy, tu dois absolument voir ça. Cette nouvelle vidéo est juste trop géniale. Bestie, est-ce que tu vas bien? Comment ça? Ah! Très bien, Lizzy. On va s'occuper de ton nez. Une petite coupe devrait pas te faire de mal, tu verras. Ce petit appareil va régler ton souci en un clin d'œil. Tu cherches quelqu'un? C'est mon territoire ici. Alors garde tes lames loin de ces poils. Compris, mon pote? C'était ma tondeuse préférée. Oh, ça a bien marché en tout cas. J'ai le nez complètement dégagé. Alors là, tu vas regretter de m'avoir cherché. Je me débarrasserai de toi d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'outil parfait pour ça en plus. T'es pas le bienvenu ici, sale bouton. Alors tu ferais mieux de te laisser faire. Je bougerai pas d'un pouce, l'ami. Va chercher un autre visage ou t'installer. Pas si vite, cowboy. Je reste là. Oh, alors ça, je m'y attendais pas. Mais très bien. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Écarte-toi, mon pote. Laisse la pro à l'œuvre. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est trop cruel. Aucun bouton ne peut m'échapper. Wow, quel beau résultat! Prête à perdre, Mia? C'est à toi que je devrais demander ça, Alice. Ah, ou mon ongle! T'inquiète pas, Alice, j'ai un coupe-ongle sur moi. On va arranger ça tout de suite. Au secours! Pitié, que quelqu'un m'aide! Oula, t'as pas l'air très en forme. Mais pas d'inquiétude. Je suis venue t'aider. Il ne reste plus qu'à le limer légèrement. T'es prête, meuf? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je gère, t'inquiète. Oh, Mia, t'as fait du super travail! Pourquoi on te vernirait pas les ongles tant qu'on y est? Choisis une couleur. Du rose, s'il te plaît. C'est mon vernis préféré. Allez, on doit finir le boulot. Waouh, j'adore ce que tu fais. Je t'avais dit que tout se passerait bien. Il n'y a plus qu'à faire sécher sous la lampe. Oh non, 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 j'ai peur! Mais non, je suis juste là, bébé. C'est sans danger. Merci pour la manucure, bestie. Ne remercie pas, Alice. Remercie ces super gadgets. C'est l'heure du petit-déj. Des chips et du soda, tout ce que j'adore. C'est vraiment mauvais pour la santé, je sais. Mais c'est tellement délicieux. Oups. Hé, réveille-toi, mon pote. Tu veux bien nettoyer le bazar que j'ai fait, hein? Quelqu'un a parlé de nettoyage? Oh, des gâteaux apéro, ce que je préfère. Je savais que tu gérerais. Merci pour ton aide. Oh, désolé. Waouh, j'ai vraiment trop de chance aujourd'hui. J'arrive, mon précieux. Non, tu vas pas tout manger quand même. C'est vraiment pas juste. Je te laisserai pas avaler ça. C'est mauvais pour toi. J'ai faim, donne-les-moi. Pas question. Donne-moi ces chips tout de suite. Qu'est-ce que tu crois faire, là? Rends-les-moi, c'est un ordre. Tu t'étouffes, hein? C'est bien fait pour toi. J'espère que tu retiendras la leçon la prochaine fois. Salut! Je veux me faire tatouer. Quelque chose de très très mignon. Pas de soucis, Miss. Allez, c'est parti. À toi de jouer, mon pote. Une nouvelle cliente? Très bien, au travail! Y a rien de plus gratifiant que de se faire payer pour son art. Détends-toi et admire le pro à l'œuvre. Et voilà, t'en penses quoi?
Ouais, c'est un peu trop... classique. Quoi? Mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Comment tu oses insulter notre art? On va voir ce que tu dis de ça. Waouh, j'adore! Oh. Trop beau, trop... satanique! Oh, est-ce que ça va, Miss? Hé, où t'es passée? J'ai vraiment besoin de changer de boulot. Oh, mes cheveux méritent vraiment d'avoir une belle coiffure. Ah ah, mais voilà ce qu'il me faut. Ça devrait faire l'affaire. Quelqu'un a besoin de mes services? Dans ce cas, je vais t'aider. Wow. Je vais faire plusieurs tourbillons sur moi-même. Ouh, c'est plutôt pas mal comme ça. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai un travail pour toi aussi. Hein? Qui est là? Ah, je vois. Tu veux accessoiriser tes cheveux, c'est ça? Je m'en occupe, ma belle. Les strass, c'est les meilleurs amis des filles. Alors, je suis pas belle comme ça? Oh, je suis enfin rentrée à la maison. La vache, je suis tellement fatiguée. Qui aurait cru qu'étudier, c'était si dur? Où est-ce que j'ai mis ma machine? Je dirais pas non à un petit massage. Qu'est-ce qui va pas, monsieur? J'ai mal aux épaules. J'ai besoin de me détendre. Allez, à toi de jouer. Ah, ça fait trop du bien. C'est le meilleur gadget du monde. Oh! Et si je me faisais un massage des pieds aussi? Tu peux le faire, je crois en toi. Oh, j'ai besoin d'un bol d'air frais. Hé, hey, mais qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. On n'a pas encore fini. Ouais, ouais, j'arrive. Je vous décevrai pas, monsieur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je pense que je vais porter... ça. Parfait. En plus, ce haut met mon piercing en valeur. Oh, ouais, j'adore sortir au grand jour. Viens t'en mêler avec moi. J'adore faire ça. Hé, hey, sérieusement? Allez là, décroche-toi. Je ne lâcherai pas. Ah, voilà, c'est mieux. Stylé est bien plus pratique. Hey, et moi alors? T'es vraiment rabat-joie. Quelle sale matinée. Oh là là, mais regardez-moi cette tête. Je vais vraiment avoir besoin de beaucoup de fond de teint pour avoir meilleure mine. Où est-ce que j'ai mis mon éponge à maquillage? Oh, t'as pas l'air très en forme non plus. On va te donner un bain chaud. Oh là là, j'arrive pas à croire à quel point t'es sale. Avec toute cette mousse, ça devrait te redonner un coup de neuf. Ah, t'as déjà une meilleure tête. Et t'as l'air bien plus fraîche. Maintenant, on va passer au maquillage. Je dois avoir un teint impeccable. Ok, où est mon rouge à lèvres préféré? Trouvé! C'est moi que tu cherchais? Eh bien, me voilà. Tes lèvres seront parfaites. Nickel, j'adore ce que t'as fait. Le truc préféré de Lydie, c'est éclater ses boutons. C'est passionnant et fastoche à la fois. Mais on dirait que ça plaît pas vraiment à ses camarades de classe. Erk, mais tu fais quoi là? Tyler, c'est toi? Coucou! Comment ça va? Hé, hey, et si on allait prendre un café après les cours? Ouais, ouais, pourquoi pas, Lydie? Mais d'abord, fais-moi un petit sourire, ok? Tyler, mais comment t'as pu me faire ça? Hé, hey, vous avez vu ça? C'est Lydie la dégueu qui voudrait sortir avec toi. Personne, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça va, Lydie? Bon, allez, laisse-moi t'aider. Merci, Carrie. Pas besoin de me remercier, bestie. Et vous, on reparle de votre comportement plus tard. Très bien, Lydie, assieds-toi. Tu peux pas rester comme ça. On va commencer par tes boutons. Ils sont vraiment dégoûtants. Mais où t'es? Je suis sûre que c'était quelque part dans le coin. Waouh! Je savais pas que tu pouvais faire ça, Carrie. Mon bestie, c'est exactement ce qu'il nous faut. T'es prête? Ces boutons n'ont aucune chance. Je t'ai eu, mon pote. Fini de déconner. Désormais, on va prendre la beauté au sérieux. Mais ces boutons vont pas se laisser faire si facilement. Cet extracteur va pas suffire. J'en crois pas mes yeux. Très bien. Dans ce cas, on va voir ce que tu dis de ça. Aucun bouton ne peut survivre à cet aspirateur de porc. Jusqu'à présent, il nous a jamais déçus. Ces boutons n'ont aucune chance désormais. Ils n'ont pas d'autre choix que de se rendre. Je t'avais dit qu'on allait s'en occuper, Lydie. Ta peau est maintenant douce comme de la soie. C'est génial, Carrie. Merci pour ton aide. Et maintenant, on fait quoi? On va pas s'arrêter là, hein? Faut pas presser la perfection, tu sais. Mais qu'est-ce que t'as là? Bon, Lydie, t'as pas besoin de ça. Erk, mais c'est quoi cette odeur? Oh là là, tes dents! J'en crois pas mes yeux. On va s'occuper de ton hygiène dentaire, bestie. Je vais t'aider. Ce gadget ultra pratique plus une bonne dose de dentifrice,
C'est exactement ce qu'il nous faut pour ça. Les germes ont qu'à bien se tenir. Avec ce gadget, les caries n'ont aucune chance. Écoutez-moi, tout le monde! Vous vous êtes bien amusés! Mais la fête est finie! À partir de maintenant, cet endroit va être impeccable! Non, mais comment elle a pu faire ça? On était faits l'un pour l'autre! On allait fonder une famille! Bon, je crois que ça suffit. Waouh! Regarde mes dents, Carrie! Elles sont tellement propres! Qu'est-ce que tu regardes, Carrie? Je veux voir, moi aussi! On t'a pas appris à partager avec tes amis? Bon, d'accord. Tiens, je vais te donner une oreillette. Garde-la propre, ok? La tâche d'un écouteur n'est clairement pas facile. Beurk, je m'attendais pas à ça! Pas question, j'irai pas! Mon oreillette est tombée. Je vais bien la renfoncer dans l'oreille. Trop drôle, non? Allez, rends-moi mon oreillette, bestie! Qu'est-ce que tu lui as fait, Lydie? C'est dégueu! Tu vas payer pour ça, Lydie. Viens par ici, chérie, je vais te sauver. Reste forte pour moi. On va te nettoyer tout de suite. Est-ce que j'entends quelqu'un appeler à l'aide? C'est moi, je suis Fichu! Tiens bon, l'ami, les secours arrivent. Ce gadget t'y connaît en matière de nettoyage. 1, 2 et... c'est réglé! Jusqu'à présent, tout se passe bien. Mais on n'a pas encore fini. Attends encore un peu. Je te prêterai plus jamais. Lydie, regarde! Bon, peu importe. On va s'en occuper tout de suite. C'est exactement ce qu'il nous faut. N'aie pas peur, Lydie. Tiens-toi tranquille. Ce gadget a du boulot. Nettoyer une paire d'oreilles sales? C'est du gâteau. C'est bon, on a fini, Lydie. Maintenant, il est temps de faire le maquillage de Lydie. Ce truc a l'air parfait pour les sourcils. Ouais, ça rend trop bien. Oh, Tyler, on sera bientôt en couple, je le sens. Lydie, je t'ai vue dans le miroir? Bah ouais, et quoi? Alors, c'est quoi le problème? Le vert, c'est hyper tendance. C'est pas l'heure de plaisanter, bestie. On doit se débarrasser de ça tout de suite. Ah ouais, du jaune, c'est mieux, t'as raison. Non, pas vraiment, non. On a besoin d'une aide cosmétique d'urgence. Parfait! Cette livraison express me déçoit jamais. Piou, t'étais presque en retard. Merci! Mais c'est quoi ce truc, Carrie? C'est un gadget qui va nous aider à épiler tes sourcils. C'est parti! Se débarrasser de tous les poils indésirables ne pourrait pas être plus facile. Ces fils vont les éliminer un par un. Quel travail impec! On va aussi s'occuper de la moustache de Lydie. C'est une blague! Je suis pas payée pour ça! Bon, très bien. Si je dois le faire, alors faisons-le. Je dois dire que je fais du bon travail. Tu t'ennuies? Pourquoi pas mettre un film d'horreur? Les choses vont devenir terrifiantes et à la fois amusantes en un rien de temps. C'est horrible, Carrie! Elle va tous les manger! Un zombie! Mais Lydie, t'as jamais entendu parler de manucure? Quoi? J'ai jamais entendu parler de genre de choses, moi. Je peux t'emprunter ça? Je te le rends après, promis. Me revoilà, Lydie! Au travail! Donne-moi tes mains. Génial! Tout ce dont on a besoin pour l'instant, c'est de l'eau. Mais beaucoup d'eau. Il n'y a aucun problème d'hygiène que notre jet dentaire ne puisse résoudre. Il sait comment se débarrasser des saletés qui traînent dans les rues. Il les élimine en un clin d'œil. Mais le danger est partout. Un seul faux pas pourrait lui attirer de gros ennuis. Ah, qu'est-ce que c'était? Carrie, ça a trop bien marché! Mes ongles sont enfin hyper propres! Mais j'aimerais beaucoup ajouter de la couleur à ma manucure aussi. Donc pour ça, on a besoin de vernis à ongles. Il ne nous reste plus qu'à laisser libre cours à notre imagination. Carrie, c'est trop chou! Oublie pas d'ajouter des paillettes! Super idée, bestie! Tout est toujours mieux avec des paillettes, de toute façon! C'est si brillant et élégant! Mais oh oh! Il est temps pour nous d'y aller! Ces sirènes ultraviolettes annoncent une mauvaise nouvelle! Oh, Carrie, c'est parfait! La dernière étape de notre relooking, c'est le maquillage. Mais l'éponge à maquillage est vraiment sale! On va donc commencer par la nettoyer en profondeur. Ce gadget ultra pratique va s'en charger. Pourquoi on me fait ça? C'est de la maltraitance! Mais Carrie veut rien entendre. Il faut se maquiller avec des outils propres. On va déjà mettre un peu de fond de teint. Vas-y, recouvre-moi avec!
plus, mais en plus. Allez, Lydie, on va camoufler toutes ces petites imperfections. Cette éponge est un maître du maquillage. Les cosmétiques, c'est sa passion. Il se donne vraiment à fond. J'arrive pas à croire comme je suis mini, Carrie. Maintenant, pourquoi tu mettrais pas aussi quelques bijoux? Ces boucles d'oreilles vont apporter beaucoup d'originalité à son style. Aucun prix n'est trop élevé pour être belle. Wow. J'adore Carrie. Tu vois, c'est facile de se relooker, non? Allez, il est temps de faire une petite pause. Être belle, ça demande beaucoup de boulot, pas vrai? Et tous ces efforts peuvent provoquer des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Regarde toutes ces pellicules! Écarte-toi, Lizzie. Ouais, mais c'est toi qu'on a mis partout comme ça? Ah, oups, ouais, désolée, j'ai pas fait exprès. T'inquiète, je m'en occupe. Un aspirateur à main, c'est un gadget extrêmement pratique. Il adore la saleté et la poussière. Il avalera tout sur son passage. On dirait que le dîner est servi. Bon appétit! Oh! Mais on dirait que même un aspirateur peut faire une indigestion. T'inquiète, je gère, Lydie. Oh, allez, viens. Carrie, mes cheveux sont superbes. On n'a pas encore fini, Lydie. On va utiliser un fer à friser maintenant. Un fer à friser, c'est comme un coiffeur perso. C'est simple, rapide et efficace. Voilà, c'est nickel, Lydie. Maintenant, on va te changer. Mais je suis déjà en retard pour l'école. Pas question, chérie. J'en ai pas encore fini avec toi. Ce que tu portes là, c'est juste inacceptable. Dans quel genre de magazine bidon tu t'es inspirée? Tiens, essaie ça. Oh non, cette tenue va pas du tout. C'est un véritable fashion faux pas. Mais on va pas abandonner si facilement. Oh, et si? Bien sûr! Un bon petit massage devrait améliorer la posture de Lydie. Il ne reste plus qu'à choisir le bon appareil. Qui n'aimerait pas avoir un masseur personnel? Ce gadget ultra pratique est comme un pâtissier de l'esthétique. Il va pétrir, rouler et modeler son dos jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. Et voilà, Lydie! Ta posture est absolument parfaite maintenant. Coucou tout le monde! Wouah! Tout le monde veut se ruer sur cette beauté fatale. Écartez-vous, les amis! Les choses sont sur le point de devenir romantiques ici. Hey, Lydie, t'es vraiment canon aujourd'hui! Attention, Tyler, fais gaffe! Car un mauvais angle peut ruiner ta répute, tu sais? Il va voir ce que ça fait que d'avoir le cœur brisé. Bravo, Lydie! Tape là! Yeah.